relations sont parfois cocasses, détaille le français, dont les grands-parents étaient tchèques. Thomas sourit ainsi de cette énorme presse à injecter, démonter et charger sur 5 poids lourds. Un grand spécial qui est parti Normandie pour la Slovaquie. Surtout que c'était une usine coréenne qu'il avait achetée depuis la Corée, qui n'avait pas forcément une facilité de communication avec les transporteurs, les intervenants ou le vendeur, qui ne parlait même pas anglais. Surtout quand on a de l'autre côté un démontage et une grue spéciale qui attend pour charger sur le camion. Le grand spécial est important, c'était, on va dire, assez sportif. Une fois que c'était réussi. Et en matière de sport, le français, cette fois, il tente puisqu'il pratique depuis 15 ans le jiu-jitsu. Retrouvez cette chronique sur internet franceinfo.fr. Le salon Kiel Expo, porte de Versailles à Paris. Il est l'heure de passer à notre page nouvelle technologie pour passer à la partie de pour les jeunes de 10 à 14 ans. Nous sommes journalistes, techniciens, réalisateurs d'un jour. Vous pouvez retrouver la météo de votre région en allant sur notre nouveau site franceinfo.fr. L'atelier Radio France Info, c'est le salon Kiel Expo, samedi 25 au mardi 30 octobre, porte de Versailles à Paris. Toutes les informations sur franceinfo.fr. France Info, il est 15h45. Et à la une, ses nombreuses réactions après la mise en examen d'une élue écologiste du 13e arrondissement de Paris. Bertrand Delanoë parle d'une affaire très très grave. L'élu est en fait soupçonné d'avoir participé à un vaste réseau de blanchiment d'argent de la drogue. Lors de perquisition, les policiers auraient retrouvé 400 000 euros en liquide dans un coffre lui appartenant. Joint par France Info, l'intéressé dément toute implication. Nous entendrons son avocat dans une minute. Dans l'actualité, également la mort d'un enfant de 5 ans ce matin dans l'incendie accidentel d'un appartement à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Sa mère et sa sœur de 10 ans ont dû être hospitalisées. Passage très politique pour François Hollande à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le chef de l'État participe au 14e sommet de la francophonie. La démocratie et les droits de l'homme, le respect de la liberté d'expression.